Nous avons assisté aux événements, les événements qui ont eu lieu consécutifs à la campagne électorale pour la présidentielle. Il y a eu la campagne d'abord. Tout le monde savait très bien que les Gabonais normaux n'allaient pas voter pour Ali Bongo Ondimba. Effectivement, le 30 août, on attendait les résultats. Et puis, notamment, vers 1h du matin, les personnes chargées de proclamer les résultats sont venues, notamment le président du Conseil gabonais des élections est venu avec son staff déclarer Ali Bongo vainqueur. Et quelques minutes plus tard, on a vu les militaires à l'écran, d'abord à Gabon 24, un média public, nous faire une déclaration selon laquelle Ali Bongo était destitué, que les institutions étaient dissoutes et qu'on ouvrait la voie vers une transition. Et quelques heures plus tard, on a su qui était le chef des mutins. C'est le général de brigade, Brice Kouter Oligingema. En fait, les Gabonais, depuis longtemps, attendaient un messie en griffe, parce que fatigués de la gestion calamiteuse de la gestion du pays, parce que fatigués par la corruption, par la gabégie, par des lendemains électoraux, toujours tumultueux, faits de tueries, de marches, de contestations, ainsi de suite. Donc en fait, les Gabonais attendaient Messie, comme les chrétiens attendent depuis 2000 ans Jésus-Christ. Mais cette fois-ci, leur Messie est arrivé, c'est un militaire. J'avoue que beaucoup de Gabonais, sur les trois quarts des Gabonais, ont applaudi l'intrusion des militaires dans la vie politique gabonaise. On a dit, c'est une bonne chose, y compris votre homme serviteur. Je me suis dit, pourquoi pas? Parce que les Gabonais militaires sont des citoyens à part entière. Et dans le monde entier, on a vu les militaires au pouvoir faire de bonnes choses. On a des exemples historiques. Charles de Gaulle, qui était un général, et qui est l'icône admirée par beaucoup de Français, de gauche comme de droite. Plus proche de nous, on a vu au Burkina Faso, on a vu Thomas Sankara, qui est devenu une... qui est adulé par les Africains, surtout les jeunes. Et Sankara était militaire, capitaine. Il est venu révolutionner les mentalités. Il est venu montrer que les hommes en pays peuvent vraiment sortir le pays de la gabégie, de la corruption, des injustices. Malheureusement pour lui, il a été assassiné. Même en assassinant, on l'a vraiment sublimé. On l'a sublimé, vraiment il est monté plus haut dans le cœur des Africains et même des patriotes à travers le monde. On a vu Rawlings au Ghana, qui avait un père étranger, et je crois que c'est écossais, et une mère ghanéenne, mais qui a fait des choses, qui a vraiment mis le Ghana sur les rails de la démocratie. Donc, c'est exemple pour vous dire que, pour moi, un militaire n'est pas forcément une calamité au pouvoir. Si tant est qu'il prend fait et cause pour les causes de la majorité de ses compatriotes. Mais sur 10, je pense que
je donnerais 7 sur 10. Parce que, bon, vous savez, être au pouvoir, ce n'est pas facile. Il est plus facile de prendre le pouvoir que de l'exercer. Et surtout dans un pays où les attentes sont nombreuses. Les routes, les hôpitaux, la vie chère, les inégalités sociales. Donc les attentes sont nombreuses et que quand Olivier Nguema, ses amis, arrivent au pouvoir, ils tombent sur la. Ils s'imaginent peut-être pas, même s'ils n'étaient pas loin du pouvoir, mais ils ne s'attendaient pas à voir sur la table tant la demande sociale était très forte. Donc aujourd'hui, effectivement, beaucoup crient, ils voient quelque chose insatisfaite. Mais moi, je préfère voir les pas, les avancées dans cette demande sociale. Oui, je pense que les conclusions, ou du moins les recommandations, ont été faites. Je crois qu'il y a eu quelques mille recommandations. D'abord, dire une chose, c'est que le dialogue national inclusif n'était pas souverain. D'accord. Donc, les recommandations qui ont été faites ne sont pas des injonctions. C'est au gouvernement, notamment au CTRI, de voir ce qui est faisable aujourd'hui, ce qui n'est pas faisable aujourd'hui, qui pourrait être fait après la transition. Et ça, je crois que le président Olivier Nguema l'a dit. Donc, je pense que les gens crient beaucoup, crient déjà à la forfaiture, sans pour autant attendre les décisions qui seront prises dans le cadre de l'application de certaines recommandations. Mais je pense que Olivier Nguema, je crois en sa sagesse. Je sais qu'il a les oreilles qui sifflent parfois, et je sais que les Gabonais sont parfois mécontents. Donc c'est un homme qui arrive avec une grande sagesse. Je pense que je lui fais confiance. Mais écoutez, beaucoup de choses ont été dites, mais je ne sais pas. Je pense que c'est seulement la recommandation qui me tient le plus à cœur, celle qui consiste à la création des centres de désintoxication dans tout le pays. D'accord. Parce que mon bataille, ma préoccupation majeure, c'est de soigner nos compatriotes. Soigner nos compatriotes dans un secteur qui est encore, disons, le vierge. C'est-à-dire la prise en charge des personnes souffrant de leurs addictions. Donc, dans cette situation, je pense qu'il serait temps que les autorités s'y penchent sérieusement, parce que créer des centres des addictions à travers tout le pays, ça pourrait être un vœu pieux. Parce que pour créer ce centre-là, il faut d'abord s'assurer qu'on a des techniciens en nombre suffisant. Parce qu'on ne crée pas un centre parce qu'on aura créé, on aura conçu un bâtiment. Il faut des addictologues, il faut des psychiatres, il faut des médecins addictologues, il faut des psychologues cliniciens addictologues, il faut des infirmiers ou infirmières addictologues, il faut du personnel. Il faut que ça savoir-faire. Et ce n'est pas comme ça, du jour au lendemain, qu'on se met à créer un centre comme celui qui vous a créé aujourd'hui. Or, il se trouve que votre humble serviteur, depuis 4 ans, a créé cette structure, Alia et Zeida Clinique. Depuis 4 ans, elle existe. Et en son sein, vous avez des infirmiers d'État, vous avez un médecin généraliste, vous avez un psychologue clinicien, vous avez un psychiatre, vous avez un addictologue, vous avez un sophrologue, vous avez une salle de yoga, une salle de sport, vous avez la luminothérapie. Donc autant de structures qui aident donc, qui composent une structure de désintoxication. Si on la veut moderne, si on la veut vraiment, donc il faut vraiment votre serviteur
pour, avant le Christ, sont là, à une formation. Au départ, comme vous le savez, je suis docteur en pharmacie, mais quand on est pharmacien, on n'est pas addictologue. Et donc, je suis allé en formation en France, à l'Université Paris-Sud, où j'ai obtenu un diplôme universitaire en addictologie pratique. C'est muni de ce parchemin que j'ai venu créer ce centre-là et qui fait aujourd'hui la fierté des Gabonais parce que je vous assure que nous avons près de 80% de réussite de nos patients addicts qui sont venus souvent ici dans un état de physique et psychologique lamentable et qui au bout de quelques mois recouvrent leur santé. Donc je dis à nos autorités qui regardent votre chaîne que je suis d'accord, je me suis battu pour que nous puissions avoir des structures comme celle-ci, qu'elles soient le public ou le privé, et que nous puissions vraiment prendre en charge nos compatriotes qui sont jusqu'à ce qu'on ait créé cette structure-là des parents pauvres de la santé publique. Parce que la santé pour tous, ça risque d'être un slogan. Si on laisse en marge de la société des compatriotes, qu'on va se faire déambuler en tenue d'Adam et Ève, et quand on le voit nu dans la rue, on détruit son visage, en oubliant que beaucoup de ces patients qu'on appelle fous sont issus du monde de la drogue. Écoutez, vous voyez le verre à demi plein. Il peut pas le voir vers à moitié vide. Non, je pense que déjà le fait que le général de brigade Oligui Nguema soit allé en France, c'est sous invitation de son homologue français. Il a été reçu par le président français et par d'autres autorités françaises. Et je pense que pour moi, c'est une réussite. Parce que bon, maintenant, chercher la petite bête, aussi comme un chef d'État, comme un sous-préfet, c'est l'aspect péjoratif. C'est pas mon point de vue. Mon point de vue, c'est que il a été reçu, et bien reçu, il a eu tout le loisir de voir qui il voulait, et le président Macron l'a bien reçu, il s'est bien entretenu avec la diaspora, ses compatriotes. Et ça, moi, j'ai vu des images, comme vous, à la télévision, c'est un homme qui, s'il continue sur cette lancée, pourrait effectivement surprendre beaucoup de Gabonais. Maintenant, qu'il soit reçu le 29 ou le 31, je pense que le point important, c'est qu'il ait été reçu, qu'il ait eu à... Parce que Macron n'était pas obligé de le recevoir. Macron n'était pas obligé de le recevoir, le président Macron l'a reçu, ils sont entretenus, j'ai vu des belles photos, des échanges, des accolades. Bon, moi, je crois que c'est déjà, pour moi, c'est important. Maintenant, effectivement, ceux qui pensent que la France-Afrique, on doit faire comme le Burkina Faso, chaque pays a ses réalités, chaque pays a son histoire. Nous ne sommes pas un pays en guerre. Le Gabon est un pays, une transition qui se veut inclusive, même si, je sais, je suis Gabonais comme vous. Il y a des gens qu'on n'aurait pas voulu saluer parce qu'ils ont été compromis avec le régime passé. Mais ça, c'est aussi la démocratie. Il faut bien que nous ne soyons pas tous d'accord. Si nous sommes tous d'accord, tout le monde applaudit Oligui Nguema, voyez-vous, on risque de nous fouvoyer parce que c'est un homme qui est aux commandes, donc qui peut effectivement se tromper à un moment donné. Et ces critiques qui fusent ici et là peuvent lui montrer qu'il y a des problèmes dans sa gouvernance. Aucune gouvernance n'est parfaite. Non, je pense que la France, moi, en ce qui me concerne, ne me gêne pas. Ce qui me gêne, c'est la gestion, le manque de sérieux de nos dirigeants, parfois, de nos compatriotes. C'est pas le... Vous savez, quand il y a eu le coup de libération, les militaires nous ont appris que parmi les hiérarques
pour le pouvoir dessus, il y avait des trafics, des trafiquants de stupéfiants. Je ne suis pas au courant de ça, mais vous et moi, nous sommes pas aux affaires. Ce que je peux dire, c'est que j'ai confiance en ceux qui sont aujourd'hui aux affaires. Ils nous écoutent. C'est normal que vous parliez comme ça. Et si c'est vrai ce que vous dites, ils pourront savoir comment négocier avec la France. La France, je pense, a des intérêts au Gabon, c'est normal. Entre les États, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts. Hier, vous avez vu Macron faire des accolades à Ali Bongo. Non, hier, avant Oligui, c'était Ali Bongo. Qui peut imaginer que les Français adoubéraient le tombeur d'Ali Bongo? Hier, la monarchie marocaine était à Miami, copain avec le pouvoir d'Ali Bongo. Aujourd'hui, ils ont des bons rapports avec le tombeur d'Ali. C'est ça la politique. Donc je pense que c'est nous-mêmes Gabonais, ce sont nos dirigeants qui doivent faire attention à d'abord privilégier les intérêts, à la défense des intérêts de leur pays, de leurs compatriotes. Non, je ne pense pas que ce soit le président qui ait demandé à ces opportunistes de venir faire le colonialisme ou la Zatalakou. Parce que vous vous souvenez qu'il y a quelques semaines, j'ai entendu écouter un communiqué de Séteri qui interdisait l'usage de l'image du chef de la transition à des fins de politicienne. Donc, je pense qu'il faut encourager nos autorités dans ce sens-là. C'est effectivement prendre la distance avec ceux qui font les actes à la coup, avec ceux qui font le kounabédisme. Et ça, c'est possible. Parce qu'aujourd'hui, Olivier Guéba n'a pas besoin de ça. Pas besoin de gens qui lui chantent louange à la bonne journée. Il a fait quelque chose d'extraordinaire en nous libérant du PDG de Bongo. Et donc, franchement, aujourd'hui, Olivier Guéba, il marche comme sur l'eau. Il marche sur l'eau. Et donc, il doit faire attention à ces gens qui risquent de plomber sa gouvernance et de faire tomber dans l'estime des Gabonais. Je pense que sa cause de popularité risque de tomber, de chuter, s'il ne fait pas attention. Et ce sont les gens comme ça qui, des zélés, c'est le même qui hier, Soali Bongo, criait, chantait, c'est le même qui sont là aujourd'hui en train de chanter les louanges de Olivier Guéba. Olivier Guéba n'a pas besoin de ça. Franchement, il est populaire dans toutes les 9 provinces. Dans toutes les 9 provinces, Olivier Guéba est populaire. Mais attention, la popularité est une denrée qui peut se périmer. Il suffit de faire attention. Aujourd'hui, on vous applaudit. Demain, on peut vous honnir. Oui, ça, je sais. J'ai des yeux comme vous. Je regarde ça. Je dis que Olivier Guéba n'a pas besoin de ça. Si tant est qu'il veut se représenter demain, se présenter à l'élection présidentielle, il pourrait passer haut la main sans pourtant vraiment avoir l'objet d'être à la cour, de culte de la personnalité, qui vont desservir Olivier que de servir ses intérêts. Donc, bon, écoutez, nous sommes tous là, on regarde. Ceux qui peuvent lui donner quelques conseils, ses proches, vont regarder votre émission, vont lui parler. Ce qu'ils vont s'y faire à l'oreille de Olivier Guéba pour dire attention, M. le Président, là, c'est dangereux. C'est lui seul. Quand on est dirigeant d'un pays, on est un homme seul. Parce qu'aujourd'hui, les amis d'Ali Bongo, ils sont où? Il y a très peu de visiteurs le soir à la Sablière pour aller voir Ali Bongo. Donc aujourd'hui, il faut que quand il veut être au pouvoir, de faire attention que, bon, aujourd'hui, ceux qui sont là, c'est pour le mangement, comme on dit, de façon triviale. Ceux qui sont autour de vous, qui vous disent « chante vos louanges », demain, ils vont vous lapider. Ça, c'est important de le dire au chef. Malheureusement, nous sommes des humains, parfois que nos faiblesses, nous sommes tous un peu comme narcissistes, le narcissisme. On aime qu'on vous dise les bonnes choses,
Et puis après, bon, après. Mais l'homme politique doit comprendre qu'il est un homme seul. Quand vous êtes dirigeant, vous écoutez tout le monde, mais en dernier ressort, vous décidez seul. Parce qu'après, c'est vous qui avez le compte à rendre à votre population le moment venu.